qui a su concilier sa foi chrétienne, sa foi catholique, avec sa lourde charge au niveau national. Et cela jusqu'au bout. Nous sommes là aujourd'hui pour dire merci au Seigneur de nous l'avoir donné. Mais nous voulons aussi dire merci à Pierre Faïbaï lui-même, lui qui s'est disponibilisé entre le main du Seigneur comme des lâches entre le main du potier. Nous offrons l'Eucharistie d'aujourd'hui pour le repos de son âme, afin que le Seigneur puisse l'accueillir avec miséricorde dans sa maison et lui pardonner ses manquements pendant qu'il était encore sur cette terre. Nous voulons aussi prier de manière particulière pour son épouse qui reste encore avec nous sur cette terre et l'ensemble de sa famille qui vivra cette disparition avec beaucoup de douleur. Que le Seigneur lui-même soit le réconfort de mon cœur. Nous voulons prier aussi pour nous-mêmes, afin que l'exemple de Pierre Faïbaï puisse nous inspirer dans notre engagement au service du pays, au service de la République, mais en même temps au service de l'Église, au service de Dieu. Reconnaissons nos péchés et demandons pardon à Dieu. Qu'il pardonne nos manquements et qu'il nous disponibilise à offrir cette Eucharistie en état de sainteté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en conscience. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Dans mon temps, les tourelles.
vous avez perdu. Un corps. Vous avez perdu un ami, un père, un grand-père, un frère. Parce que cet homme, qui était peut-être au niveau de la famille restreinte, lié par des liens familiaux, était devenu un homme public. Des personnes qui viennent par terre n'étaient plus simplement votre mari, votre père, votre grand-père. Il était devenu l'homme à tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes là, nombreux, pour rendre notre hommage, exprimer notre gratitude à Dieu. Mais particulièrement à cet homme qui est un frère. Connu surtout pour être, pour avoir été toute sa vie un grand serviteur de la République. Il a occupé beaucoup de fonctions, comme nous savons, mais il a servi le pays avec compétence. Et avec amour pour notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes tous là et je suis très heureux de noter que dans notre assemblée, il y a autant de grands serviteurs de l'État encore aujourd'hui. Je vois le président du Sénat, je vois le premier ministre et je vois une icône de notre pays, un nom hautement connu dans notre pays, Léon Tenkoat, qui est venu malgré la fatigue. Et d'autres grands serviteurs de l'État qui sont là pour rendre leur hommage à cet homme. Grands serviteurs de l'État et grands serviteurs de l'État jusqu'au bout. Il a été certainement au niveau de la famille, comme nous l'avons entendu dans les témoignages, un bon mari, et c'est pas mon mari Thérèse qui dira le contraire. Il a été un bon père de famille, un grand père, vertu le petit enfant et des enfants. Mais Pierre Païta était aussi un grand leader catholique, un homme de foi. Et un homme de foi, même dans l'exercice des affaires de l'État. Et il est resté un homme de foi jusqu'au bout. La dernière fois, je l'ai rencontré. Et c'est ça qui me reste en mémoire. Ma rencontre avec Pierre Païta est vivante. C'était à la paroisse, sa paroisse, Saint-Luc, la paroisse Saint-Luc. Avec le grand projet de construction de la nouvelle ville, voilà un nombre de fois. Et c'est cette conjugaison entre fidélité, compétence, amour dans le service de la patrie et en même temps fidélité dans sa foi. Je crois que c'est l'héritage majeur que Pierre Païta je suis heureux d'entendre les enfants dire papa, papa, et tu restes un héritage. Et l'héritage que papa vous laisse, ce n'est pas un héritage matériel, mais
cet héritage en termes de valeur et que vous êtes invités à partager avec les autres les valeurs auxquelles Pierre Paillard a cru et a cru toujours. Aujourd'hui, l'exemple de ces grands serviteurs de la patrie, l'exemple de ces grands hommes de foi jusqu'au bout, puisse nous inspirer dans notre manière de vivre. Je me suis demandé si le silence ne serait pas un langage plus éloquent que la parole pour parler de la réalité de la mort, qui fait signe à la réalité de la vie au cœur de notre existence. Les textes liturgiques choisis nous invitent à méditer sur le mystère de l'amour de Dieu, sur la résurrection du Christ et sur le mystère de la vie des messieurs Pierre, Paï-Paï, Wassiakassidé, qui Dieu a amené auprès de lui le 2 septembre 2023. Dans les credo que nous confessons le dimanche, nous disons « Je crois à la résurrection des morts et à la vie du monde à venir. » Par cette confession, nous réalisons que ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est de se savoir mortel. Ce qui fait la grandeur de Dieu, c'est de dire à l'homme qu'il est fait pour la vie et non pour la mort. La vie n'a de prix que parce que l'amour a des prix. La résurrection, c'est en quelque sorte le débordement de la vie et de l'amour. Et l'amour et la vie sont les seules valeurs marquées du sceau de l'éternité et donc de la plénitude. La résurrection du Christ nous place ainsi au carrefour de l'humain et du divin. Elle vient éclairer notre quotidien et lui donner sens et valeur. Désormais, dans la lumière de la résurrection, rien d'humain ne sera plus jamais banal. Tout devient sémence d'éternité, indice de la Pâque nouvelle et des communions avec les maîtres des temps et de l'histoire. Désormais, avec la résurrection, épiphanie de la victoire de la vie sur la mort, rien, mais alors rien, ne pourra nous séparer de l'amour des dieux manifesté dans le Christ Jésus. Et si les amis de Pierre Paï-Paï. Saint Augustin disait, Jésus est venu du grand jour de l'éternité pour nous introduire dans notre temporel un grand jour éternel. Par notre oui baptismal, la vie éternelle a déjà commencé dans le service permanent de notre foi. La vie et la mort de messieurs Pierre Paï-Paï nous rappellent cette vérité fondamentale. La vie, non regardée en profondeur avec les mystères pascal, ne vaut pas la peine d'être vécue. Par le mystère pascal, tout croyant passe de la mort à la vie et vit de la vertu théologale et l'espérance qui s'émancipe avec les vertus de la foi et de la charité. C'est notre foi, notre espérance et notre charité qui nous rassemblent dans cette cathédrale pour présenter notre ministre de fin à Dieu Créateur, vivant des vrais. Il a fait de la politique autrement, c'est-à-dire en s'intéressant d'abord et avant tout aux questions politiques fondamentales de notre époque et en cherchant à en comprendre la dynamique. Il a exercé de hautes fonctions dans les secteurs privés et publics de notre pays.
directeur des cabinets directs de l'Université nationale du Zaïre, vice-président de l'ANESA pour les secteurs pharmaceutiques. Et comme vous avez bien aimé, la valeur attend point le nombre d'années. À 33 ans, Pierre Paye-Paye est nommé commissaire d'État à l'économie nationale, à l'industrie et commerce extérieur. En 1982, il occupe les postes de commissaire d'État au portefeuille, puis PDG à la Jacamine commerciale. De 1985 à 1991, il est gouverneur de la Banque centrale du Zaïre. En 1994, il est nommé ministre des Finances. En 2005, il est investi candidat président de la RDC sous la coalition des démocrates congolais Codeco. En 2006, il est élu député national dans la circonscription de Boutembo. Et en 2008, il crée son parti politique, l'Union des démocrates chrétiens fédéralistes. Et à la suite des élections provinciales de 2018, il est élu député provincial du Nord-Kivu. Dans l'assomption de ses différentes fonctions, il a été un leader politique, un initié qui n'a jamais confondu les masques et les visages. Rendons grâce à Dieu à travers ces chants d'action de grâce. Tout ce qui a été dit d'être aimé et honoré dans la vie de Pierre Paye-Paye, mettons-le nous aussi en pratique. Comme disait le serviteur de Dieu, Monseigneur Mouzi, moi, Christophe, la meilleure manière de plaire à un frère, c'est de cultiver son champ. Chers frères et sœurs, la résurrection du Christ n'est pas l'évocation d'une histoire ou d'un fait historique quelconque passé. C'est un mystère de la foi, de notre foi, une expérience dans la foi. Le Christ ressuscité nous communique et nous partage sa vie nouvelle. Avec lui, nous grandissons dans la confiance, dans l'amour et dans la paix. Le pape François nous dit, si le Christ est ressuscité, nous pouvons regarder chaque événement de notre vie, même le plus significatif, avec des yeux et un cœur nouveau. Les moments d'obscurité, d'échec peuvent se transformer et annoncer un chemin nouveau. Le Christ ressuscité nous donne de la force pour nous relever. Si nous faisons confiance, sa grâce nous sauve. Jésus dit aujourd'hui, vous l'avez écouté dans l'Évangile, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » C'est Saint Jean, chapitre 11, verset 25. Nous sommes invités à croire davantage à la résurrection du Christ, mais aussi à notre propre résurrection. Nous sommes invités à découvrir comment, aujourd'hui, le Christ meurt et ressuscite dans nos vies. Nous croyons que M. Pierre Paye-Paye, parce qu'il a cru au Christ ressuscité, est en communion avec Dieu. Nous croyons que rien ne pourra les séparer de l'amour du Christ, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Que Dieu Tout-Puissant accorde à son serviteur Pierre Paye-Paye le pardon, la paix et le repos éternel, et que sa lumière perpétuelle luise pour lui. Qu'au cœur de notre vie quotidienne, parce que ressuscité avec le Christ, nous puissions accueillir, découvrir, redécouvrir l'amour du Christ qui nous dévance, l'amour de Dieu qui nous entoure, l'amour de Dieu
dans lesquelles nous sommes immergés. L'amour de Dieu, d'où proviennent toutes choses et vers lesquelles tendent toutes choses. L'amour de Dieu, en qui nous avons les mouvements, l'être et la vie. Cet amour de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
sang de Jésus, le Fils, notre Seigneur. Au moment de délivre-nous des faux mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, le Congo. Donne la paix à la famille éprouvée de l'illustre disparu. Instaure ta paix dans le cœur de chacun, chacune de nous. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de nos péchés, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au ciel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et pour que la paix de l'unité parfaite soit finie et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
actions. C'est un rite particulier, c'est un rite chrétien spécial réservé aux chrétiens baptisés catholiques. C'est pour dire que cette cérémonie est essentiellement un adieu. Nous allons faire nos adieux à Pierre Paipa devant Dieu. Entre le main et Pierre, nous allons le remettre. Pierre Paipa est venu de Dieu et maintenant, après avoir terminé sa mission sur cette terre, il retourne à Dieu où il est venu. Et c'est ce que nous voulons, c'est faire nos adieux en attendant de le revoir lorsque nous-mêmes. De lui ouvrir largement ses bras pour l'accueillir avec miséricorde. Que cette cérémonie soit maintenant un moment de réconfort pour la famille de Maman Marie-Claire, tous les enfants, tous les petits-enfants. Que vous ne vous sentiez pas seul, sans que vous portiez par l'ensemble de la communauté qui est là. Papa est parti, mais il nous a placé dans une grande communauté d'enfants de Dieu qui vont nous rendre. Et maintenant, nous allons procéder aux actions. Oh.
supplierons pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Pierre Paypay a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage, réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi. Jusqu'au jour.